Barret-de-Liours est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vieux village perché, accroché à la montagne, il surplombe la vallée de l'Anary et ses pics rocheux, au milieu des prés et des champs de lavande, avec en toile de fond, toute la chaîne du massif du Ventoux. Ses habitants sont dénommés les Barretiers. Barret-de-Liours est situé à 7 km de Montbrun-les-Bains, et à 7 km de Cédron, par le col de Macueigne, 1068 mètres. Hydrographie. La commune est arrosée par la rivière La Méouge qui a sa source sur la commune, cours d'eau de 39 700 km, sous affluent de la Durance par le Buèche, le torrent d'Anary qui a sa source sur la commune, rivière de 7 km 400, sous affluent de l'Ouvèze par le Toulouranc, le ravin de Fontanille, le ravin de Gourette, le ravin de Rioux, le ravin des Bourneaux, le ravin de Touissa, et enfin le ravin Papillon. La commune est séparée de celle de Ferrassières, par le col de l'homme mort. Histoire, préhistoire. Le rocher du Moulin est un site néolithique. Antiquité, les Gallo-Romains. Vestiges d'une villa gallo-romaine. Du Moyen Âge à la Révolution. La seigneurie, au point de vue féodal, la terre, ou seigneurie, était du fief de la baronnie de Mévouillon. 1293, elle est acquise par les Rigaud. Elle passe aux Algouts de Sault. 1460, passe, par mariage, au Montauban. 1611, passe aux Artaud. 1637, une moitié est vendue au Dupuis-Montbrun. L'autre moitié passe, par mariage, au Ripert, dernier seigneur. Au XIIe et XIIIe siècle, l'église et ses revenus appartiennent à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. 1270, charte de franchise. 1682, à Barret-de-Liours, la ligne est surveillée par des hommes du régiment de Poitou revenant d'Espagne à partir de fin octobre. La communauté est requise pour construire des corps de garde pour loger les soldats le long de la ligne, 2 sont prévus, mais finalement, 12 corps de garde sont construits, ainsi que 24 guérites placées dans les intervalles, à une moyenne de 250 mètres. Les soldats sont renforcés par 8 hommes levés dans la population de Barret-de-Liours, en plus de ceux envoyés à la compagnie de milices placée sur la Durance. Lors de l'épidémie de peste de 1720 à 1722, Barret-de-Liours est situé au nord de la ligne du Jabron, élément du cordon sanitaire allant de Bolène à Embrun, et isolant la Provence du Dauphiné, et dont fait partie le mur de la peste. L'interdiction de franchir le Jabron, sous peine de mort, est décidée par le gouverneur d'Argençon début août, et le cordon est mis en place le 26 septembre pour n'être levé par ordonnance royale que le 19 novembre 1722. Avant 1790, Barret-de-Liours était de l'intendance et parlement d'Aix, et de la viguerie et recette de Sisteron. Elle formait une paroisse du diocèse de Gap. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans,
Les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. En 2018, la commune comptait 68 habitants, en diminution de 17,07% par rapport à 2013. Pour mémoire, Drôme, plus 4,05%, France-Or-Mayotte, plus 2,36%. Lieux et monuments. Château en ruine. Église, IMH, Église Saint-Laurent. Calvaire Trois-Croix. Patrimoine naturel. Nombreux panoramas, en particulier du col de Macueigne. Grotte à stalagmites. Grotte des Faux-Monnayeurs.